Bah, donc on est venu aujourd'hui ce matin donc avec Jean-Christophe Sélin, qui est conseiller régional d'Occitanie, pour soutenir les salariés de Coquilles ici qui sont en mobilisation, qui sont confrontés à un risque de plan de suppression d'emplois. On a souhaité avoir une rencontre avec la direction. Malheureusement, la direction n'a pas voulu nous recevoir. Il me semblait que c'était nécessaire de pouvoir d'abord avoir le point de vue de la direction et puis aussi peut-être permettre et faciliter un échange entre les salariés et la direction, parce qu'on sent bien qu'il y a une situation de blocage et une direction qui a tendance à vouloir passer en force. Et je pense que dans la situation difficile qu'on connaît aujourd'hui, au moins il faut du dialogue, de la négociation, de la transparence aussi sur les décisions qui sont proposées, et que les conditions aujourd'hui, elles ne sont pas réunies. Les conditions de ce dialogue, les conditions de cette transparence, elles ne sont pas réunies. Les salariés qui sont ici, c'est des salariés qui ont des compétences très importantes, qui ont un savoir-faire. Et il me semble que dans cette période, même si elle est difficile, la priorité, ça devrait être la sauvegarde des emplois et des savoir-faire. Ces emplois et ces savoir-faire, on en a besoin bien sûr dans l'industrie aéronautique, mais on pourrait en avoir besoin aussi dans de nombreux autres secteurs. Et puisque tout le monde parle de transition écologique aujourd'hui, on ne fera pas de transition écologique sans les ouvriers qui fabriquent les pièces qu'on a par exemple ici, qui peuvent être utilisées dans l'aéronautique, mais qui peuvent être utilisées dans le ferroviaire, dans le transport, dans les énergies renouvelables, dans les pompes à chaleur, dans un certain nombre d'autres secteurs qui vont en grandissant. Et donc je trouve que la priorité des pouvoirs publics, ça devrait être de se battre pour sauvegarder les emplois et les savoir-faire. Et c'est aussi ce message qu'on a voulu passer ce matin. Ok, c'est pas le plus gros sous-traitant Airbus, c'est même Non? au contraire, hein, c'est un des plus, peut-être un des plus petits. Mais cela dit, est-ce que vous faites aussi de ces sous-traitants-là, qui sont de taille modeste, un symbole de la crise aéronautique et des difficultés Oui. rencontrées par les salariés? Vous savez, c'est pas le plus gros sous-traitant, c'est vrai, mais tous les emplois sont importants et tous les savoir-faire sont importants. Et dans une chaîne de sous-traitance, tous les maillons de cette chaîne sont importants. Et si vous avez un maillon, même s'il est d'une taille en effectif réduit, il est indispensable à la chaîne elle-même. Et puis, il y a ici des compétences, encore une fois, et des savoir-faire qui sont indispensables. On va pas se passer demain de la fabrication de ces pièces, de l'usinage et tout ça. C'est les gens pensent parfois à tort que c'est des emplois qui nécessitent pas des qualifications, mais les gens qui sont ici, ils sont là depuis plusieurs années, ils ont une expérience, ils ont une expertise qui est extrêmement précise. Les ouvriers français, c'est des très bons ouvriers. Vous pouvez regarder les chiffres de productivité par rapport à ailleurs dans le monde. Heureusement que les ouvriers français, ils sont aussi forts, ils sont aussi qualifiés, ils sont voilà, aussi motivés aussi, parce que si les gens se battent aujourd'hui pour la défense de leur emploi, c'est aussi parce qu'ils aiment ce qu'ils font. Et donc je trouve que c'est pas normal que ce soit ces salariés, ces ouvriers qui payent les conséquences d'une crise dont ils ne sont pas responsables. Voilà, donc il faudrait se battre pour les défendre. Moi, j'en appelle aux élus de la République, bien sûr, aux collectivités locales, la région, le département, la municipalité, à la parlementaire de cette circonscription, pour se battre et se mobiliser aux côtés des salariés et les défendre dans cette lutte qui me paraît être une lutte d'intérêt général. Une chose importante aussi, puisque la région, Emmanuel a eu raison de souligner le rôle des pouvoirs publics, la région a la compétence économique, hein, depuis la loi NOTRe. On a voté en assemblée plénière le 16 juillet dernier, majoritairement à l'initiative des élus de la France Insoumise, et Carole Delga, y compris la présidente, l'a voté. Un bouclier social et la planification écologique pour le secteur aéronautique, qui suppose de maintenir les emplois, de maintenir les salaires, de maintenir les postes, de combattre les PSE et de travailler sur y compris les avions du futur. Donc ça veut dire qu'y compris la logique des carnets de commandes, etc., est une logique qui est à mettre en perspective. Et maintenant, il faut avancer. Donc il faut que la région, la présidente de région, intervienne auprès du préfet, auprès de l'État, pour faire en sorte que sur l'ensemble de l'aéronautique, et précisément aujourd'hui chez les Coquilles, pour qu'on remette de l'ordre dans tout ça et qu'on maintienne les emplois sur ce site. Vous savez, il y a beaucoup d'argent public qui a été distribué dans cette période, que ce soit pour le financement du chômage partiel, que ce soit à travers les dispositifs de réduction des cotisations, le crédit impôt compétitivité emploi, dans certaines entreprises, le crédit impôt recherche, tout ça c'est de l'argent public. Et je ne conteste pas le besoin de soutien public dans une période qui est une période difficile. Mais quand on verse de l'argent public, il doit y avoir des conditionnalités. On ne verse pas de l'argent public sans fixer des conditions. Et la première de ces conditions, ça devrait être la sauvegarde de l'emploi. Parce que sinon, on a l'impression que quasiment l'État subventionne des licenciements. Bah, ça,
c'est pas acceptable, je pense que tout le monde peut le comprendre. Les salariés qui sont ici, eux aussi, ils payent des impôts. Eux aussi, c'est une partie aussi de leurs impôts qui viennent financer ces dispositifs de soutien et d'aide publique qui sont mis en place. Et donc, je pense que c'est pas normal que ça soit utilisé pour venir subventionner leur licenciement. Donc voilà, moi, je suis là en tant que et avec mes collègues, en tant qu'élu de la République, pour défendre les salariés, parce que c'est notre rôle, et faire en sorte de faire tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est possible en tout cas, tout ce qui est dans nos capacités pour essayer de les aider dans cette bataille. Ok, du côté de la CGT, est-ce qu'on peut faire un petit point d'étape sur les négociations avec la direction? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a donné depuis lundi? Elles sont inexistantes, aucun dialogue. On a eu l'occasion de rencontrer la direction mercredi, qui nous a bien fait comprendre qu'ils reviendraient sur le point en ce qui concerne le PSE. C'est-à-dire qu'ils étaient partis sur une base de 35 licenciements, donc ça sera 35 licenciés. Et en ce qui concerne les indemnités, aucune évolution, donc toujours rien de pâquerette, et voilà. Ok, 35, lui, il parle de 34, il me semble. Bon. Ouais, 34, 35, vous savez, on n'est plus à un prix maintenant. Hein. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y avait la possibilité, dans le cadre du PSE, ils nous ont fait une demande de volontariat. Donc il y a 10 volontaires au départ. Donc je pense qu'en laissant partir ces 10 volontaires, ça aurait permis, en jouant sur le chômage partiel à longue durée, de sauver les 25 autres. Ils ne veulent pas mettre ça en place, donc voilà, c'est dommage. Ok. Voilà. Merci. Je vous en prie.